Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Les recettes gourmandes. On y va pour une recette facile à faire, délicieuse, les gougères. On y va. Ouf. Alors, comme d'habitude, je galère. Hein. Bon, alors, hop, on va essayer de pas trop bouger. Alors là, j'ai tout préparé les ingrédients. Il faut 3 œufs, 80 g de beurre, 125 g de comté râpé, 150 g de farine et 250 ml de chemise. Du coup, 125 ml d'eau. Et 125 ml de lait. Voilà. Hop. Alors, on va faire de façon suivante. Je vais vous emmener vers l'endroit où ça se passe. Hein. Voilà. Hop. On bouge plus. Ça a l'air de bien. J'ai déjà mis préchauffé mon four, messieurs et dames. Hein. Donc, à 180 degrés. Plaque mi-cuisson à chaleur tournante. On va parler de la vaisselle, je suis désolée. Alors, je vais chauffer. Hop, le lait. J'ai un robot pourtant, je pourrais y faire au robot, mais je voulais vraiment y faire à la main. Hein. Si je n'avais pas de robot. Donc, ça. C'est fait. On va mettre, incorporer le beurre. Je vais prendre une marise. Voilà. Spatule en silicone. Hop. Mais après, je vais prendre une cuillère en bois. Donc, en tout, 250 ml. Donc, il y a 125 ml. De lait et 125 ml d'eau. Voilà. Il y a des personnes qui ne mettent pas de lait, peut-être, je ne sais pas. Alors, ma spatule en bois. Oh, j'espère que vous allez tous bien. Je prendrai la marise. Hein, une pourtant, mais bon, je vais pas dans celui-là de tiroir. Non, je trouve pas ma spatule en bois. Bon, j'ai besoin de faut pas que je bouge le tiroir à côté. Hop, voilà. Donc là, ça c'est bien. Ça chauffe. On met un tout petit peu de sel. Hop, une bonne pincée. Je vais mettre. Alors, ça fond bien. Je laisse fondre encore. Je vais mettre du poivre. Alors, le poivre, je mets du sanglais. Hop. Évidemment. Voilà. Je mets du sanglais. Comme ça. Voilà. Hop. Je mets un peu de muscade. Et vraiment léger. Donc, je lâche le feu là. Voilà, je mets un tout petit peu de muscade. Voilà, donc très peu. Vous voyez, vraiment très peu. Si vous n'aimez pas, vous en mettez pas. Voilà. Après, on va sortir du feu, messieurs, mesdames. Voilà. Sent bon déjà.
Hop, je coupe le feu. Bah, hop, il sort de son feu. Hein. Voilà. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment intérêt à être à côté, messieurs et dames. Alors, on va mettre la farine d'un seul coup. Vous allez venir, ça va plus vite au robot. Je suis d'accord, j'en ai un qui est là, juste à côté. On y va. Franchement, voilà, ça a tout bu. Vous voyez déjà, voilà. On va incorporer les œufs un par un. J'avais ma spatule en bois, je ne sais pas où c'est qu'elle est. Alors j'enlève, je mets tout, la farine. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est bon les gougères. Alors pour Noël, je ferai une recette de gougères... garni de foie gras, je ferai le foie gras maison. Je ferai la recette. Garni de foie gras maison. On peut aussi garnir les gougères de fromage frais dedans. C'est super bon. Messieurs, mesdames, voilà là, la celle-ci. Elle est super. Vous voyez, elle se détache bien. Et hop. Elle est super. Voilà. Hop. Alors, d'accord, on va mettre, alors, œuf par œuf, hein, messieurs, mesdames. Alors, il faut que je fasse une boulette. J'équilibre le jaune, voilà. Alors, hop, et là, mais franchement, là, la pâte, elle est super. La pâte à choux, là, elle est super. Vous voyez? Il faut la taper. Voilà. Peut-être que je mettrai que deux œufs, messieurs, mesdames, je ne sais pas. Alors, mieux que nos spatules en bois. On dirige ma cuillère. Là. Mais. Alors, dès que ce soit homogène. Ce soit bien comme ça. Hop. Il y a un peu bizarre. Si elle est bizarre, c'est bien. Hop. Allez. Ouh, ça calme. Là, je regrette le robot. Alors. J'attends vos photos. Et un peu caoutchouteuse, quoi. Je sais pas comment dire. Allez, encore un. Il y en a qui mettent 4, mais 3, je trouve que c'est pas mal. Hein. Voilà. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre. Des petits morceaux de fromage, vous savez, du cheddar, des petits cubes de cheddar dedans. Je pense que ça devrait être pas mal. Vous en pensez quoi? En fait, vous mettez votre gougère en place, puis hop, vous appuyez un petit morceau de carré. J'en ai dans le frigo, là. Je vais peut-être en essayer deux, trois.
que ce soit bien fondu quoi après. C'est ça qui me... Je suis pas sûre en fait. Voilà, ah, c'est tout. Nickel. C'est nickel. Alors que vous l'aviez, votre robot ou la casserole, mes amis. Hein. On est d'accord. Hop. Allez, super. On dirait une purée. On dirait une purée maison. Alors, on va incorporer le gruyère. Pour moi, vous savez, c'est du gruyère. C'est du trois fromages. Hein. Hop, j'y mets tout dedans. Et on remue encore. Ça fait les muscles. De nouveau, je regrette le robot. Je regrette le robot. Allez, on va se régaler, Sandra. Donc, ça vaut le coup. Alors là, franchement, elle est nickel. Je regrette pas du tout la pâte. Messieurs, mesdames. Regarde ça. Hop là. On y a une bonne purée. Ce n'est pas une purée du tout. Alors, je vous récupère. On va mettre à côté. Je vous récupère. Voilà. Vous avez vraiment tout participé avec moi. Sauf la préparation des ingrédients avant. Ça prend 10 minutes. Hein. J'ai mon petit pèse tout là. Ouf, là. On crème presse, c'est super. Ça tient pas de place. Hop. Voilà. Alors, il y a la recette que j'ai envie de faire aussi. Certainement cette semaine ou peut-être ce week-end. Alors, moi, je prends pas de poche à douille pour ça. Ça ne va pas du tout. Je prends deux grosses cuillères, vous prenez deux cuillères à café. Et moi, je fais comme des quenelles. Vous savez, chacun sa façon de faire, messieurs, mesdames. Et voilà, la poche à douille, c'est soit elle se perce de tous les côtés. Vous voyez, ça ne va pas du tout. Alors, là. C'est juste pour vous montrer. On va voir combien ça en fait. Hein. Hop, voilà. On n'est pas... on fait... vous voyez, hop, on en fait un. Voilà, il ne faut pas trop y toucher de toute façon. Une. Je n'aime pas quand c'est tout bien régulier. Alors, je m'excuse. Hein. Je fais comme ça. Elles sont savoureuses. Voilà. On va compter après. C'est déjà des bonnes gougères. Hein. Vous verrez après parce que ça va gonfler un peu. Après, je vais dire, Sandra, tu les as mal rangées. J'ai plus de place. Et c'est moi ça. Alors, j'essaie de les aligner. Hein. Bah, je vous laisse avec moi. Hein. Je ne vais pas couper la vidéo. Je vous laisse avec moi. Et j'attends vos photos. J'ai l'impression de me répéter, messieurs, mesdames. Hop. Généreuses, elles sont gourmandes. Ah, puis alors les odeurs là. Alors, je fais ça entre deux patients. On n'a pas les odeurs à la maison. J'ai. Comment? On va me dire. Vous qu'est-ce que vous avez fait de bon? Ça sent trop bon. Bah, ça va sentir que c'est des gougères de toute façon.
Mamie qui va me dire, mais ça sent trop bon. Hop. Voilà, et c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vais aller resserrer un petit coup. Parce que je vais tout mettre, hein. On va pas faire de... Ah, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 12, 19. Non. 17, je ne sais plus compter. Ah bah bravo. On verra après. On est tant qu'un conce, je ne sais pas comment. Les oreilles plus serrées vers le haut. Et c'est toujours après qu'on voit les bêtises. Hein. Donc, on va en remettre dessus peut-être. Bon, ça va en faire une bonne vingtaine. Hein. Voilà, déjà ça sent super bon, je peux vous assurer. La pâte, elle sent trop bon. C'est pas liquide, c'est super. Parce qu'une pâte liquide, c'est pas la peine. Hein. Vous pouvez jeter... Votre préparation, j'ai essayé de rajouter de la farine, mais généralement, c'est un peu trop tard de rattraper une recette. Ça dépend. Il faut essayer après tout. Je dis jeter. Voilà. Hop, ça va en faire pas mal. Hein. Alors, il faudrait que tu te tiennes un petit peu plus droit. Alors je pousse la voisine. Ça, vous voyez mes erreurs en même temps. Bon, on est à 17 minutes, ça va. Donc le four il chauffe. Hein. Il est en préchauffage, il chauffe. Voilà. Ah, je ramasse tout. Hein. Non, en plus c'est dans l'évier, donc c'est dommage. Ça va en faire une en plus, vous allez voir. Hop, je pousse la voisine. Allez, la poche à douille, je dis pas, c'est bien plus régulier. Et moi, j'arrive. Voilà. Désolée pour le bruit. On est en cuisine. Hein, voilà. On va faire une petite, hein, c'est toujours ça. Je la mets là. Je pense qu'on a au moins 26 là. Alors. Ma fille va rentrer tout à l'heure. Elle va dire, oh là là, elle adore ça. Elle va y sentir dans la cour, je pense, en arrivant. Voilà, une petite, mais hop. Alors, 1, 2, 3, 4. Non, alors on recommence. Hein. J'en ai 26, messieurs, mesdames. En 26. Bon, j'y mets au four. Je vais couper la vidéo pour que vous n'allez pas vous en apercevoir. Alors, c'est au four, moi je vais. Ça m'a fait de voilà. On fait la vaisselle de ce matin. Et je vous reprends pour vous dans quelques secondes et pour moi dans 10 minutes à quart d'heure. A tout de suite. Alors, la suite des gougères, je les sors du four tout de suite. Et je suis à vous. Je les sors en même temps que la vidéo. Voilà. Alors, je prends un chiffon pour ne pas me brûler. Hop. Et voilà. Ça sent super bon. Hop. Elle sera
j'ai raté, je vous le dirai pareil, hein, mais elles sont bien, je suis contente. Alors, on va revoir la recette ensemble. Après, je vais les mettre en présentation sur une assiette. Alors, voilà. Hop, c'est bien tout dans la caméra. Donc, elles sont vraiment belles. Bon, là, elles sont vraiment très, très chaudes. Hein. Je vais les sortir. Elles ont l'air moelleuses et tout. Donc, je la mettrai sur une assiette. Est-ce que je peux? J'ai préparé une assiette. Voilà, comme ça. Allez, on va les mettre. Vous les comptez? 8, 9, c'est chaud. Alors, toc. Voilà. Ça, je vais pousser un peu, mais je vais pas le prendre à la main, j'ai sorti du four, alors on va éviter de se brûler quand même, ça serait pas mal. Voilà, je pousse ça. Alors voilà, j'ai pas mangé une du coup parce que elles sont cuites à pointe, elles sont géniales, elles sont super moelleuses. Donc j'en ai 26 au robot, j'en aurais fait 20 ou 19, et c'est vrai, c'est donc, 250 ml, mais par moitié, donc 125 ml de lait, 125 ml d'eau, 80 g de beurre, 150 g de farine, messieurs, mesdames, 125 g de gruyère râpée, hein, moi je prends les trois fromages, hein, mais c'est au choix, hein, 3 œufs, une pincée de sel, hein, vous m'avez vu faire, du poivre Saint-Baie, un petit peu de muscade, quand on mélange le beurre et le liquide. J'ai rien oublié. Et elles sont super moelleuses. Hein. Est-ce que je peux en couper une? Regardez. Elles sont super tendres. Bon, je vais essayer d'en manger une, mais... Mmh. Ouais, il y en aura 25. Bon. Je vais la manger. Je vais finir. Super moelleuse. Super bonne. Faites-les. Mmh. Un peu avant Noël, j'en ferai fourré au foie gras. Vous pouvez aussi les garnir au fromage frais, peut-être avec des petits carrés de cheddar. Je ne sais pas si ça fond vraiment. J'ai hésité à en mettre. Mmh. Comme ça. Hein. Un peu chaud. Mais, oh là là. Mmh. Un délice. Excusez-moi, mais c'est chaud, vous savez. Alors, il y a, allez, 3/4 d'heure de préparation. Le four, il faut 12-15 minutes. À voir si vous aimez bien griller ou à moitié comme moi, un petit peu plus que la moitié. Après, bien sûr, il faut rester à côté, hein, la cuisine. Toujours.
Voilà, messieurs, mesdames, j'attends vos photos, vos idées de recettes aussi. Là, je vais faire le montage. Je vais mettre la vidéo sur la chaîne tout de suite. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, vous avez vu mon... Non, c'est tout rangé. Hein. La vaisselle est faite et tout. Donc, nickel. Mettez des pouces, abonnez-vous. Donc, ça monte. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Merci pour les pouces et les abonnements. À bientôt.